Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de iced tea fait maison au Thermomix. Et c'est une recette qui peut se faire à la casserole. Donc, pour les ingrédients, il vous faut quelques glaçons, 2 pêches, 3 sachets de thé vert, du sucre et 1,5 litre d'eau. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, il y a la petite avec moi hein, qui participe. Donc pour commencer le iced tea, il vous faut soit 30 g de sucre, c'est du light, soit 200 g, c'est à peu près normal, ou 390 g de sucre. Donc ça fait l'équivalent de l'original du iced tea. Donc moi je vais mettre que 200 g de sucre. g de sucre. Ensuite, je vais mettre 1,5 litre d'eau. Donc, déjà 1 litre. Voilà, 1,5 litre d'eau. Ensuite, il faut mettre à tourner 10 minutes. Je remets à zéro. Alors, 10 minutes. À 100 degrés. Qui arrive à vitesse 1. Donc là, ça tourne à vitesse 1. Donc là, ça tourne à vitesse 1 à 10 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Donc une fois que l'eau et le sucre ont bien bouilli, je vais mettre dans un saladier. Alors une fois que l'eau et le sucre ont bien tourni et bien bouilli, vous pouvez faire ça dans une casserole, bien faire chauffer l'eau avec le sucre. Une fois que ça c'est bien chaud, bien bouillant, que ça vient à ébullition, vous éteignez. Donc moi j'ai fait avec le Thermomix, mais ça peut se faire avec une casserole. Ensuite, je mets tout ça dans un saladier. Hop. Hop. Je mets tout ça dans un saladier. Je vais mettre mes sachets de thé, les 3 sachets que je mets au bord comme ça. Et ensuite, je vais mettre les pêches, voilà, que j'ai coupées en 4 ou en 4, on va dire à peu près, en morceaux aussi, et que je vais mettre dans l'eau chaude avec le thé. Et on va laisser refroidir tout ça. Ça imbibe bien. Faut fermer avec
mettre le couvercle. Donc il faudra mettre un couvercle que je vais mettre maintenant. Voilà, mettre un couvercle et laisser reposer jusqu'à que ça refroidisse tout ça. Et après, je vous montre la suite de la vidéo. Donc là, j'ai bien laissé reposer pendant, on va dire, 30 minutes, 1 heure. Donc je vais mettre filtrer avec une passoire comme ça, ou vous pouvez mettre, s'il y a une passoire qui a plus des gros trous, vous mettez un sachet de café, vous savez, les filtres à café, voilà, et puis vous mettez dans un récipient ou dans une carafe de jus. Sinon, moi j'ai mis, j'ai acheté une gourde. J'ai acheté au Super U une gourde. Il y a un petit filtre que vous pouvez mettre. Il y a un petit filtre là, voilà, que vous pouvez mettre les fruits dedans et mettre l'eau bouillante et ça fait une infusion. Voilà. Ou un jus, un petit jus à la pêche. Donc moi je vais mettre le esqui là-dedans. J'ai mis la pêche dans le filtre qui est là. Voilà. Et puis je vais mettre l'eau chaude dedans. J'ai mis quelques glaçons, donc je vais mettre tout ça dans la carafe et puis dans la gourde et je vous montre la suite du résultat. Et voilà le résultat du iced tea fait maison au Thermomix. Vous pouvez le faire dans une casserole avec de l'eau bien bouillante, avec du sucre. Une fois que l'eau bien bouillie avec le sucre, vous mettez dans un récipient les sachets de thé plus les morceaux de pêche et puis vous laissez reposer et ça donne ça. Voilà, j'ai mis dans une carafe et dans une gourde que j'ai acheté au Super U. Voilà la gourde, je peux mettre les fruits dedans aussi. Donc c'est une boisson qui peut se boire tous les jours, qui hydrate bien. Après moi j'ai dosé le sucre parce qu'après c'est trop sucré. Ça fait comme les petites canettes de iced tea qu'on achète en magasin. Donc après, c'est à vous de doser. Je vous ai donné les ingrédients au début de la vidéo. Donc je vais mettre tout ça au frais, à laisser au frais pendant 3-4 heures au frigo ou bien juste mettre la veille et puis vous pourrez boire le lendemain. Donc je vous dis, laissez-moi un pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous, c'est gratuit. Merci à tous de votre suivi pour ma chaîne YouTube et sur Instagram. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde!